reçu la lettre du juge. Il faudrait que je passe récupérer mon bouquin. Allez. Just to buy food and soap. Pourquoi vous les empêchez d'entrer? Non, excusez-moi, madame, mais je fais mon travail. Toi, bien sûr, tu dis rien. Tu baisses la tête et tu rentres chez toi, c'est ça? Salut, on peut go. England. England, viens, on va voir. Je suis allé voir un premier ministre. Je suis allé voir. Je suis allé voir. Je suis allé voir. Je suis allé. Yes. Cool. Where are you from? Iraq, sir. Kurdistan. You know that only good swimmers can cross the channel? And the water is too cold, and the current is too strong. Why do you want so much to go there? Wow. She looks pretty. Tu sais que tu peux avoir des problèmes sans ça. C'est pas mieux que j'ai, moi. C'est toi. J'en peux plus, Marion. Manger sans toi, dormir sans toi, j'y arrive plus. Arrête. Je fais des conneries. What do you want to do? Football. You want to play football in England? Yes, Manchester United. Il héberge des Kurdes. Quoi? T'as pas idée dans quoi tu mets les pieds, là. Les flics surveillent tout le monde. Ils font tout pour nous coincer, pour qu'on arrête les repas chauds et les fringues. Et vous ramenez encore ces types-là dans l'immeuble? Pas dans l'immeuble, chez moi. Oui, ben c'est interdit. Vous êtes seul? Vous n'avez pas le droit d'entrer chez les gens comme ça. Vous allez être mis en examen, monsieur Calma, pour aide à personne en situation irrégulière. Simon, ils vont te mettre en préventive. Est-ce qu'il a ramassé ça? Et vous êtes sûr qu'il est parti? Oui, sûr. Il a fait 4000 km à pied pour aller retrouver. Et maintenant, il veut traverser la Manche à la nage. Moi, quand t'es parti, j'ai même pas été foutu de traverser la rue pour t'attraper.